Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'ai fait une sélection des universités qui peuvent vous accepter. Ce sont des universités qui ont une réputation d'accepter ou d'accueillir les étudiants étrangers en France. J'ai fait l'effort de sélectionner des universités en province, c'est-à-dire un peu dans les zones rurales, pour pouvoir vous permettre de postuler et d'avoir des acceptations. Donc, dans cette vidéo, on ne va pas beaucoup parler. On va aller droit au but. Mais avant, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos qu'on va faire ici sur la chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à visiter ma startup, fabienconsultant.com. Là-bas, il y a les informations nécessaires. Vous pouvez voir les détails concernant la procédure Campus France. En écrit, vous pouvez voir les documents à fournir pour les demandes de visa ou encore d'autres informations. N'hésitez pas à aller visiter. Si tout est fait, si vous vous êtes abonné, si vous avez liké déjà la vidéo, on se retrouve après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à étudier à l'étranger car étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur étudier à l'étranger. Alors, comme j'ai dit dans cette vidéo, on va pas beaucoup parler, on va aller droit au but. Mais avant de pouvoir vous citer des universités, ces universités, je vais vous dire quelque chose. Ces universités que je vais vous citer dans cette vidéo peuvent vous refuser. Tout comme elles peuvent vous accepter. Mais la plupart des gens que j'ai conseillé ces universités ont toujours eu des acceptations dans ces universités. Pourquoi pas vous? Donc, je veux simplement dire que ce n'est pas parce que je vous ai cité 5, 6 ou quelques universités que vous allez négliger votre dossier, vous allez faire n'importe quoi, postuler pour dire ouais, Fabien nous avait conseillé ces universités, c'est que je vais être accepté. Il faut faire votre dossier impeccable, tranquille, peu importe l'université que vous allez postuler. Je vais vous dire d'abord une chose avant d'aller plus loin. Si votre dossier est bien, bien fait, cohérent, les lettres de motivation bien rédigées, on va vous accepter, peu importe l'université. Mais après, il y a d'autres universités qui acceptent le plus les étudiants étrangers, côté pourcentage et autres. C'est pour ça que je veux citer ces universités dans cette vidéo. Donc, ça ne sert à rien si vous faites mal votre dossier. Ça ne sert à rien de postuler dans ces universités. Mais si vous faites bien votre dossier, postulez, vous allez avoir des acceptations. Alors, la première université que je vais citer ici, c'est l'université Paul Sabatier. Alors, l'université Paul Sabatier, c'est une université réputée, très grande, et qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Pas que les Africains, mais les Asiatiques, enfin, beaucoup d'étudiants étrangers, les gens qui viennent de partout. Et l'université Paul Sabatier se trouve à Toulouse, enfin précisément dans le sud-ouest de la France, en région Occitanie. Donc, si cette université est à Toulouse, mais il y a d'autres villes qui ont les formations de cette université. Je vous donne un exemple. Il y a une ville qui s'appelle Tarbes. C'est une ville à côté, à 1 heure ou 2 heures de Toulouse, en train. Il y a une autre ville qui s'appelle Auch. C'est la même chose. C'est une ville à côté de Toulouse. Ces villes-là ont des formations qui sont affiliées à l'université Paul Sabatier. C'est-à-dire, c'est l'université Paul Sabatier, comme l'université Paul Sabatier est à Toulouse, mais des fois, il y a des formations qui sont diffusées à Auch, qui sont diffusées à Tarbes et d'autres à Toulouse. C'est pour ça, quand vous allez dans les universités, quand vous allez sur Campus France, on vous dit de choisir. Vous choisissez l'université, on va vous dire site de Auch ou site de Tarbes. Donc, je vous conseille de voir l'université Paul
Paul Sabatier. S'il y a votre formation, et plus précisément de choisir le site de Hoche ou encore le site de Tarbes. Le site de Hoche n'est pas connu par tous. Les gens, quand ils postulent pour les universités Paul Sabatier, ils postulent pour Toulouse. Mais pourtant, il y a des villes comme Hoche qui proposent des formations pour l'université Paul Sabatier. Donc, vous pouvez avoir une formation là-bas. Les demandes ne sont pas assez beaucoup, enfin assez nombreux. Vous pouvez postuler et avoir une acceptation. La deuxième université, c'est l'université de Montpellier. Alors, Montpellier, c'est une très très belle ville pour les étudiants. Enfin, c'est une ville étudiante. Quand vous êtes à Montpellier, sincèrement, je vous dis que ça va pour les étudiants. Tranquille, il n'y a rien à dire. Et l'université de Montpellier est réputée pour ses œuvres, enfin ses œuvres, ou encore pour son pourcentage d'accueil des étudiants étrangers. C'est une très belle université qui forme et qui a formé beaucoup de gens, beaucoup de cadres. Si vous postulez là-bas, ça peut aussi être pour vous un avantage d'être accepté. Il faut faire attention. Il y a déjà deux universités. Mais je vous répète encore que ces universités peuvent vous accepter, mais elles peuvent aussi vous refuser. Il faut faire travailler votre cabeça, comme on disait. La troisième université, c'est l'université de Bretagne. L'université de Bretagne, en Bretagne. C'est très bien aussi là-bas. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs villes. L'université, quand vous choisissez l'université de Bretagne, et après, il y a d'autres villes qui sont à côté, qui proposent les formations. Enfin, les formations pour... Enfin, il y a beaucoup de sites. Essayez de chercher des sites qui sont des villes qui ne sont pas assez connues. Une ville que vous n'avez jamais entendu parler, par exemple. Cela veut dire qu'il y a des demandes, mais il n'y a pas beaucoup. Et plus il y a moins de demandes, plus votre dossier est mûr. Parce que plus il y a de demandes, plus il y a beaucoup de dossiers. Et il y a des bons dossiers, votre dossier ou la valeur de votre dossier diminue. Très important. Il faut choisir ces universités-là que je vous ai citées pour mieux... Enfin, si vous voulez, vous pouvez choisir. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Choisissez ces universités. Ça peut beaucoup vous aider. Et vous pouvez avoir des acceptations. La quatrième université que je vais citer ici, c'est l'université de Bordeaux. L'université de Bordeaux aussi, c'est pareil. À Bordeaux, c'est une très belle ville, vraiment très belle ville. Vous pouvez même postuler sur Bordeaux ou encore dans des villes à côté de Bordeaux. Quand je parle de villes à côté de Bordeaux, je parle de sites à côté de Bordeaux. Comment connaître ces sites ou voir ces sites? Vous cliquez l'université de Bordeaux. Vous allez voir toutes les formations, enfin toutes les formations. Et là, il y a votre formation. Vous cliquez sur votre formation. On va vous dire site de Bordeaux, site de telle ville, site de telle ville. Vous choisissez une ville à côté. Même si vous ne connaissez personne là-bas dans ces villes, choisissez quand même. Ce n'est pas grave. Vous allez avoir une solution ou trouver une solution le moment venu. Très important. Alors, comme j'ai dit, je vais le répéter encore une fois, pour une dernière fois. Faites attention à vos dossiers. Ce n'est pas parce que je vous ai cité ces villes ou ces universités que vous allez être accepté. Pour la cinquième université, je vais vous parler des instituts de formation, enfin, des instituts universitaires de technologie. Les instituts universitaires de technologie, ce n'est pas comme les universités. Une université, c'est très grande. Et les universités, on les trouve que dans des grandes villes. Dans des villes comme Bordeaux, Toulouse, comme des villes que j'ai citées précédemment. Donc, maintenant, les IUT, c'est-à-dire Instituts Universitaires de Technologie, peuvent être trouvés dans des villes assez petites encore. La cinquième, enfin, pour la cinquième ville que je vais vous dire, je vais simplement vous conseiller de rechercher les IUT dans ces mêmes villes que je vous ai citées et de faire pareil. L'université de Lyon.
Choisissez l'université de Lyon. C'est une université très connue et qui forme aussi beaucoup, qui a formé beaucoup d'étudiants et qui accepte beaucoup d'étudiants étrangers. 5% des gens que j'ai accompagnés, des gens que j'ai conseillés, sont à Lyon. Parce que là-bas, ils ont été acceptés. Et vous aussi, vous pouvez être accepté. Pas précisément à Lyon, ça peut être dans des villes à côté de Lyon, à côté, cherchez à côté, vous allez trouver. J'espère que cette vidéo a été le plus clair possible. Mais après, il y a peut-être là où j'ai répété les mêmes choses ou encore, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Laissez vos grands pouces bleus, très important, enfin, vos grands pouces bleus, très important. Et abonnez-vous, visitez mon site. Si tout est fait, pour moi, je vous remercie d'être passé. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.